va s'apprêter, les gars, du coup, là, à poser des questions à des esprits potentiels. Je me présente, je m'appelle Léo. Je m'appelle Pauline. Et on est venu ici pour essayer d'entrer en contact avec vous. Exploration de fou aujourd'hui avec Pauline, voilà, c'est la première sur ma chaîne. Fille, en vrai, t'es la première fille sur ma chaîne, Pauline. Yes. Est-ce que t'es contente? Je suis content pour elle. Quel honneur. Oui. Du coup, les gars, on s'est habillés de sorte qu'on passe crème, voilà, on est habillé tout en noir. Clairement. Ouais, on dirait qu'on va faire clairement un cambriolage. Les gens vont croire qu'on va clairement cambrioler la maison. C'est où ça? Est-ce qu'il y a des choses précieuses dedans? Je ne sais pas. Je pense pas, mais en tout cas, ça va être ouf. J'ai hâte d'explorer ça. Je pense qu'on va chier dessus en vrai. Ah oui, ce qu'on va faire, du coup, il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. La première qui sera du coup d'un peu regarder le lieu, tu vois. Tu peux niquer ta mère, s'il te plaît. Et la deuxième partie, ce sera tout simplement de voir si on peut capter des choses paranormales ou pas. Le hélicoptère vraiment nique ta mère. Du coup, voilà les gars, j'espère que le programme il vous plaît. Voilà, Pauline, t'en penses quoi encore une fois? Hop. C'est non pour toi, exactement. Et t'es prête, Pauline, ou pas? Est-ce que t'es prête? En Sarthe, t'es prête ou pas? Franchement, attends, c'est j'ai vraiment. L'endroit me terrifie, regardez comment il est terrifiant cet endroit. Oui, il est stylé, si, mais. Je le trouve terrifiant. À tout moment, on meurt, mais bon. Le truc, c'est qu'en plus, les gars, à l'intérieur, il n'y a aucune source de lumière, vraiment. Et il y a qu'une entrée. On a vu tout à l'heure, il y a qu'une entrée. Et on a croisé un mec tout à l'heure, on a cru qu'on était mort, tu vois. Mais non, le mec, il est passé en vélo, il a fait bonjour, il s'est barré, voilà. Du coup, en vrai, en ça, on a eu de la chance. On a eu tellement de la chance. Bref, les gars, on est parti. Il y a eu un loup-garou, clairement, qui vient de gueuler. Je sais pas si on a entendu la cam. Bref, les gars, on est parti pour l'explo. C'est parti, let's go. Regardez les gars où on est, l'entrée se situe juste là par ce petit trou. Et dites-vous qu'en fait il y a un mec dedans, imaginons c'est pas un squatter ou un SDF, on ne peut pas sortir, enfin du moins on va mettre du temps à sortir avec Pauline. Du coup faut faire super gaffe qu'il n'y ait pas un mec dedans. C'est pour ça que quand je vais rentrer, je vais directement dire il y a quelqu'un ou pas, ok? C'est bon? Ok. Regardez en face de moi ce qu'il y a. Il y a un putain de moulin et c'est trop stylé. Il est trop beau franchement. En fait ce que j'ai peur, ma première peur là Pauline, honnêtement je vais te la partager, c'est que le toit ici là s'écroule totalement et qu'on meurt instantanément. En fait il faut vraiment quand on entre déjà pas de bruit, enfin si je vais dire est-ce qu'il y a quelqu'un, on va voir déjà parce que imagine il y a un squatter qui vit là, ce trou il est pas là pour rien tu vois. Bon allez on va y aller et on voit ce que ça donne, ok? T'es prête? C'est parti. Ok les gars, on est parti du coup pour l'urbex. T'es prête Pauline ou pas? Let's go. C'est parti, ok. Déjà, on va commencer par la première pièce qui est ici, ok? Qu'est-ce qu'il y a ici? Faut faire super gaffe, j'ai peur que le toit s'écroule instantanément. Waouh! Y'a des sacs et tout. Y'a des vieilles canettes. Ici, à mon avis, des gens ont dû taguer. Tu penses que c'était quoi ici? C'était des toilettes? C'était quoi? Je sais pas, rangement. C'est terrifiant, bordel. Y'a des vieilles affaires, des trucs de poudre de vaisselle et tout. Putain, en fait, ça appartenait vraiment à. Un mec quoi, c'est quoi ça? Il est caché? Là je me sens bien mais après... Tu te sens bien là ou pas? Tu te sens en sécurité? Moi pas du tout. Regarde, mal le toit. Filme-toi. Le toit est totalement effondré. Complètement, mais au sol genre. Ok, on a une deuxième pièce ici. Attention le toit. Wesh. Oh, si ça s'est totalement effondré ici. Ah oh, ouais Théma, ça s'est totalement effondré. Je vais te laisser entrer. Ça s'est totalement effondré ici. C'est totalement effondré. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit, tu vois, pas de bruit bizarre. Donc c'est ok, tu vois. Tout s'est effondré. Pour l'instant, c'est ok. Théma, là, il y avait une cheminée, à mon avis, un truc. Ouais, je sais pas ce qu'il y avait ici. Bah, en vrai, je pense. Théma, le toit. Oh, faut pas aller. Faut pas aller. J'ai regardé personne, j'ai entendu un bruit. Ouais, tu me fais peur. Mais désolé. Ok. Filme bien, Pauline, filme bien. Désolé si on filme mal les gars parce qu'on est un peu terrifiés. Oh, il y a une autre pièce. Le sol il a été cassé. Oh, il y a une autre pièce. Ok, on va rentrer. Waouh, c'est. Attends, wesh, pourquoi il y a de la lumière ici? Mais c'est pas possible. Pardon. Ah, si.
sais quand on disait qu'on pensait que c'était fermé. Ouais. Ça c'est l'ouverture d'en haut. Ok. Pour la lumière. Ok. De quoi? Attends, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit de vibreur, ça doit être ma mère et tout. T'es moi, il y a des journaux et tout, filme les journaux. T'es moi, il y a des vieux journaux. Quoi? Il y a eu un bruit. Putain, tu me fais peur, Arès. Ouais. Il y a une veste. Pauline, je me chie dessus un instant de là, moi. Vous savez, dans les films d'horreur, souvent, c'est le mec ou la meuf qui meurt en premier. Ah, oh, putain, merde. Les gars, oh, c'est quoi cette salle? Là, c'est moyen de la lumière. C'est terrifiant, putain. Comment pas calme de t'asseoir? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu un bruit? Bah, c'est toi. Non, t'es une malade, wesh. Ouais. Là, tu chopes 19 maladies rares. Chut, arrête tes coups, putain. Je pense qu'il va falloir se barrer d'ici instantanément. Il y a un truc qui est tombé, là. Ou c'est une goutte? Peut-être que c'est les yeux des oiseaux, je sais pas. Ok, donc là on revient à la pièce normale. Oh, regardez, il y a Todd là-bas, il y a Todd. Magnifique. Coucou Todd. Putain. Théma en haut. Là, faut surtout pas aller en haut, sinon on meurt instant. Désolé les gars, on a mis le divertissement, mais là, en haut, ce sera pas possible. Sinon on va mourir. Putain de merde. Et c'est le même couloir? Oui, c'est le même couloir. Viens, on rejoint par là. J'ai entendu un bruit. Non, c'est comme de l'eau. Vas-y, on passe par là. Meuf, on va se perdre. Oh putain. Oh wesh. Oh j'ai peur. Théma en haut. Oh j'ai peur. Vas-y, filme en haut. Théma, comment c'est terrifiant, wesh. Théma, l'escalier, filme l'escalier. Regardez les gars, l'escalier, comment il est terrifiant. Bordel de merde. Oh, t'as vu la peinture et tout. Enfin là, comment on appelle ça, la tapisserie. Elle est défoncée. Je sais pas, en fait, du coup, le truc, il a été brûlé, c'est ça. Il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie ici. C'est des squatteurs qui ont... Pauline, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre les détecteurs EMF et poser des questions dans toutes les pièces. Ok, va descendre des esprits potentiels. On va s'apprêter, les gars, du coup, là, à poser des questions à des esprits potentiels. Voilà, c'est pas sûr qu'il y a des esprits ou que cette maison soit chargée en énergie, on ne sait pas, à vrai dire, mais on va essayer de voir s'il y a des choses, ok? T'es prête, Pauline, ou pas? Non. On s'en bat les couilles. Du coup, les gars, on va tout simplement essayer de communiquer avec les esprits avec ce fameux détecteur EMF. C'est ça qui est truc? Ok, on va éteindre la cam. Non, je pense qu'il a bugué. Ouais, non, c'est surtout les appareils. C'est des bruits. Ok, donc on va éteindre la cam, on va la mettre en mode avion. Tu peux la mettre en mode avion même si tu filmes? Ouais. Vas-y. T'as tout mis en mode avion? Moi j'ai mon téléphone en mode avion, attends, je vais le montrer aux gens parce que sinon on va pas me croire. Ah oui, je précise les gars que cette vidéo n'a pas pour but de faire polémique, de faire du fake ou quoi les gars. Ok? Ok les gars, mode avion. Putain, comment je peux le montrer? Oh, tu veux le truc bouger. Ta gueule. Dis-moi que c'est un truc... Y'a quelqu'un ou pas? Moi je vais pas montrer aujourd'hui. Y'a personne ici, c'est pas possible, on est tout seul. On a vérifié tout, on est tout seul, ok? Faut pas psychoter comme ça, ok? Ok, Pauline, t'es prête? On va se mettre pile au milieu de la maison. Oh, c'est totalement détruit, putain. Oh
tout seul. On est tout seul, ok? Ok. Pour l'instant, il s'active pas. Faut voir que tu vois, quand je le rapproche du téléphone, ça ne s'active pas. La cam, pour voir la cam... Non, ça fait absolument rien, ok? Ok, si ma poche, mon téléphone, il est là, ça ne fait absolument rien. Oh, attends. Putain. Mais non, mais c'est parce que je fais ça, regarde, tu vois? Je le tape, regarde. Normal. C'est sensible. Ok, c'est pour, tu vois, c'est pour toi, c'est sensible au truc. T'es prêt, toi, pour poser les questions? Vas-y, on se présente alors. On se présente, okay. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Léo. Je m'appelle Pauline. Et on est venu ici pour essayer d'entrer en contact avec vous. On aimerait bien discuter avec vous, voir s'il y a aussi des personnes ici qui voudraient nous parler, communiquer avec nous. Si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à faire bouger l'émetteur, à l'activer vers le rouge. On n'est pas là pour détruire, pour casser les lieux. On est juste là, d'une manière bienveillante. Voilà, on est là pour essayer d'entrer en contact avec vous. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester par un bruit, ce que vous voulez. Mais montrez-nous que vous êtes ici. S'il vous plaît. Il y a des bruits dehors. Il y a des bruits dehors. Il y a des bruits dehors. Ok, ça répond pas. J'ai l'impression que ce lieu, ça marchera pas, Pauline. Je pense qu'il est pas assez abandonné. Je pense que pour moi, il est juste pas assez vieux. Et il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a rien eu de fou, tu vois. Y a rien eu... C'est juste un bâtiment abandonné, rien de spécial. Après, j'ai pas envie de faire de fake sur ma chaîne, tu vois. J'ai pas envie de faire « Oh les gars, what the fuck, il y a un fantôme ». Non. Non, pour le coup, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. Seulement un état... Attends, je vais poser une dernière question. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous dans cette maison? Si oui, n'hésitez pas à faire bouger l'émetteur, à le faire activer. Jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Don't scream. T'as vu? Ah, c'est marqué. Marqué don't scream. Sur le truc. Non, non, en bas, en bas, en bas. Tu fais des plans de coupe? Exactement. Bon, Pauline, on fait quoi? Je sais pas. Je verrai dans les rushs si le détecteur il s'est activé, mais je ne pense pas. Je pense qu'on peut y aller là. Honnêtement, je. C'est pour ça qu'on y va parce que ça me terrifie profondément. Tu vas y aller? Bah, on y va, on sort. Focus, fais-toi. Ok les gars, on vient de finir l'explo. Il y avait des petits qui sont venus tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont encore là les petits? Non, je pense pas. Ils sont barrés, non? Ah non, les petits sont là, je crois. Du coup les gars, fin de l'explo avec Pauline. Il s'est présente. T'as kiffé ou pas Pauline? C'était un peu flippant en vrai. Ça va. Il y a des petits quoi qui nous lancent des trucs? Entre les autres réveils qu'on aurait pu voir sur YouTube et tout. Ouais. Pas très peur, ça avait pas très peur en vrai, faut être honnête. C'est pas le meilleur urbex de tout YouTube, mais c'était cool. Moi, c'est mon premier pour un premier. C'est son premier urbex. Moi, c'est mon deuxième, mais voilà, je suis une pipette donc au calme, ça changera jamais. Donc, on rejoint les petits. Vas-y, viens, on rejoint les petits pour voir ce qu'ils nous voulaient. On va voir si, parce qu'il y avait des petits tout à l'heure là, les gars. Yo, les gars, dedans. Bon, on était dedans, c'est nous, ouais. Ah, t'es YouTube? Ouais, je suis YouTubeur, ouais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Michou, gros. Oh, Michou!
Non, c'est pareil, gros. Non, c'est pareil, gros. On peut rattraper vous dedans. S'il vous plaît, on n'a jamais regardé. En vrai, les gars, n'y allez pas. Hein. Vraiment, ça fait vraiment peur pour le coup. Ça peut être dangereux aussi. En vrai, ça peut être vraiment dangereux. Le toit a des doigts de s'écrouler. Ouais, donc, si vous voulez mourir, ok, mais. Et ça vaut mieux. Attends, je peux dire un truc. Vas-y, dis un truc, mec. Les gars, mettez un maximum de pouces bleus et. Ah, t'es un BG. Pourquoi vous venez ici, les gars? Parce qu'on est venu promener le chien. Ok. Y'a personne, les gars. Y'a personne, mais à tout moment le toit il s'effondre et genre vous mourrez quoi, donc c'est pas fou. Oh, c'est noir! C'est incroyable! On peut rentrer dedans? Non, les gars, non. Non. Vas-y, vous passerez, les gars, dans la vidéo. Vas-y, allez. Bon, les gars, on est avec l'équipe. Voilà. Ouais. Et ben, on a été à la maison hantée, comme vous voyez. On est dans la maison hantée. Ça fait trop peur. Trop peur, même. Les gars, c'est ma première fois, je crois, des youtubeurs. Et ouais, mon ref. Bon, les gars, on va vous laisser. Bisous à vous, on va y aller, nous. Hein. Bonne chance. Au revoir. Go. Au revoir, ma chaîne. Non, je m'appelle Léo, pas Co. Léo. Léo. Ouais, les gars. Mettez un maximum de pouces bleus. Et abonnez-vous. La chaîne. Yes, les gars, abonnez-vous. On fait des bisous. Et à plus, les gars. Là, vous partez pas. On a croisé de quoi? Un youtubeur. C'est on est immigré. De quoi, les gars, qu'est-ce qu'il y a? On a croisé un youtubeur. Mais les gars, je suis pas connu, moi je suis personne. Hein. Enfin, pour le moment, mec. Léo. Imagine, t'es plus. T'as 2-3 ans, t'es plus. Vas-y. De Michou. Vas-y, on verra, mec. Hein. Vas-y, on verra, gros. Non, t'auras le million, moi c'est. Il y a clairement des petits avec Pauline, ils viennent de nous parler pendant 19h vraiment. Ils ont dit, hey, t'es youtubeur et tout. Ils ont voulu prendre des photos avec moi et tout, c'était trop drôle. Du coup, les gars, c'était trop drôle, voilà. Fin de la vidéo, du coup, tu t'as aimé Pauline ou pas? Franchement, c'était pas mal, hein. La fin était pépite, hein, avec les petits là, c'était trop drôle.